Amitabha à vous, Otep Shalom, Salam Aleikum, c'est le roi match depuis le 237. Comme je l'ai dit d'habitude, le roi match ne répond à aucun numéro 229. Le roi match répond au 237, 695, 27, 26, 70. Bien le bonjour. Un autre chapitre de Bon à savoir. Les réalités du monde spirituel. Pourquoi la majorité des personnes d'entre vous souffrent? Pourquoi beaucoup de soi-disant chrétiens ou religieux souffrent comparativement au spirituel? Vous n'allez jamais vous en sortir dans cette vie si vous ne connaissez pas le mode opérationnel du monde des esprits. Vous n'allez jamais vous en sortir dans cette vie si vous n'avez pas quelqu'un qui vous guide pour la compréhension du monde spirituel. Vous n'allez jamais arriver à la projet de vos projets si vous ne connaissez pas les réalités du monde spirituel. Pourquoi il faut connaître le monde spirituel? Bon nombre d'entre vous ou vos soins des sociétés s'engagent à faire des choses sans être initiés. C'est l'erreur que beaucoup d'entre vous font. Beaucoup louent des maisons. Ils ne connaissent pas qui était d'abord là comme locataire, quelle était sa moralité, quelles étaient ses croyances. Beaucoup d'entre vous entrent comme ça innocemment et entrent dans les maisons. Ce que vous devrez savoir, c'est que dans le monde des esprits, il n'y a pas d'innocents. Il y a ce qu'on appelle la loi des faits. Il faut le savoir. Parce que le monde des esprits est un monde où il n'y a pas d'émotion. C'est un monde des faits. Il faut le savoir. Maintenant, beaucoup d'entre vous, souvent aussi, entrent dans le business, ouvrent des sociétés sans savoir comment y faire. La première chose qu'il faut faire, c'est de consacrer votre entreprise, votre business à une entité ou à votre Dieu, selon votre croyance. Ne faites jamais un business sans consacrer cela à votre Dieu. Dans certains livres, il est écrit « Le commencement est la parole ». Moi, je vous dis « Le verbe est le pouvoir ». Il faut le savoir. N'entrez jamais dans une maison sans au préalable la dédier à une divinité ou la consacrer. Les initiés ou encore les spirituels, dans certaines obédiences, connaissent ce qu'on appelle la planification du monde des esprits. L'une des premières causes du succès, c'est la maîtrise du monde des esprits. Pourquoi est-ce que tous ceux qui sont en grande majeure partie dans les loges, on va dire comme ça, entre guillemets, s'en sortent mieux que ceux qui sont soi-disant des religieux? Parce que dans vos religions, on ne vous enseigne pas les lois du monde spirituel. Le monde spirituel a ses lois. Le monde physique auquel nous appartenons, dans le microcosme a ses lois. Le macrocosme a ses lois. Si vous voulez que les grâces du macrocosme descendent sur vous, il faut connaître les codes pour subjuguer le macrocosme. Afin que les bénédictions y soient. Ou encore y viennent. Le monde des esprits est régi dans ce qu'on appelle la balance. Chaque cause produit un effet. Et ça fonctionne avec la loi du sacrifice. Tu donnes quoi pour recevoir quoi? Parce que le monde, probablement ce qu'on vous dit dans les églises ou dans des religions, le monde est fait du donner et du recevoir. C'est la loi la plus universelle du monde. Il ne faut jamais l'oublier. On est à l'ère du Verseau, où tout ce qui était caché remonte à la surface. C'est maintenant que vous décidez de faire des grandes choses. Cette décennie qu'on vient d'entamer, qui est 2020 et 2021 en montant,
beaucoup de choses vont se jouer dans votre vie. Ou ça passe, ou ça casse. Si vous ne prenez pas des décisions sévères pour la compréhension des choses cachées, vous n'aurez droit à rien. Vous êtes à la diaspora. Vous êtes en Afrique. Vous êtes un peu partout dans le monde. Si vous voulez réussir, il faut connaître les choses cachées. Le garçon qui a créé Facebook, celui qui a créé Google, y compris tous les autres startups, bizarrement, tous pratiquent la méditation transcendantale. Faites des recherches, vous allez voir que je dis vrai. Tous pratiquent du yoga, parce que le yoga apaise l'esprit. Et ça te fait connecter avec les esprits, ça te fait te connecter avec le domaine supérieur. Vous pensez que c'est une coïncidence? Ce n'est pas une coïncidence. Vous voulez avoir des secrets dans l'architecture, des secrets dans l'innovation immobilière, des secrets dans le domaine de la beauté, dans le domaine vestimentaire, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Vous voulez être inspiré, comme les artistes les plus inspirés qui sont concernés à bombes. Vous pensez qu'ils sont initiés, pourquoi? C'est grâce à ça qu'ils subjuguent les secrets akashiques. C'est d'où viennent les bénédictions et c'est d'où viennent leur inspiration. Vous ne pouvez pas réussir sur cette terre sans connaître les choses cachées, c'est impossible. N'oubliez jamais qu'il est écrit dans certains livres que ce qui est en haut aussi ce qui est en bas. Il faut essayer, faites des efforts à compter d'aujourd'hui, de maîtriser comment faire pour que vos paroles traversent le premier, le deuxième et le troisième ciel. Parce qu'à partir du quatrième ciel, ce sont des esprits méchants. Beaucoup de prières restent statiques. Parfois, le dos ne traverse même pas le plafond de vos chambres. Je vous l'ai déjà dit ici. Vous qui faites les fellations, vous bouffez les fesses des femmes. Comment vous voulez prier un Dieu et il vous écoute quand votre bouche est souillée? Et dans vos églises, parfois, on ne vous apprend même pas à vous purifier. Comment purifier vos bouches? Comment nettoyer vos auras? Certains pasteurs sont des initiés. Raison pour laquelle ils ont la popularité. Raison pour laquelle ils sont ce qu'ils sont. Ceux qui n'ont qu'à arrêter au stade d'études bibliques, vous-même, vous les reconnaissez par le fruit. Tu pourrais connaître ce qu'on t'a appris. Un élève du CE1 ne saura jamais ce qui se passe en classe de terminale. Votre vie dépend de ce que vous en faites. Si vous voulez devenir des leaders, si vous voulez devenir des gens qui sont à la tête et jamais à la queue, entrez dans le monde spirituel. Découvrez ce qui est caché. Et vous comprendrez qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Un spirituel, il y a des choses qu'il ne fera jamais. Il y a des actes qu'il ne posera jamais. C'est-à-dire, il connaît des choses, c'est-à-dire avant que le monde ne finisse. Vous avez donné une fois ici un chronogramme numérologique. Avant que le monde arrive, on connaît déjà les mois qu'il faut faire des affaires. Tel mois, si tu achètes le terrain ou tu veux investir dans une entreprise ou dans quelque chose, si c'est le mauvais jour par rapport au calendrier, à coup sûr, tu as échoué. Ce sont des secrets. Tu veux te marier, il y a les dates précises qui sont déjà cochées. Que ces jours-ci, que tu te maries dans cette année avec ce jour d'office, ton mariage sera un mariage malheureux. Tu seras une femme cocufiée ou tu seras une femme malheureuse dans son foyer. Ou encore, les finances vont s'assécher. Le monsieur va penser que, mais attends, j'étais bien peut-être avec telle femme. Pourquoi j'ai bien avec toi, tout bascule. Parce que vous êtes marié à la mauvaise date. Je vous ai envoyé ça ici une fois. Je crois que c'était dans la communauté. C'était toute une liste, si j'ai bonne mémoire. Les jours auxquels il fait certaines choses. Tous ceux qui sont dans les écoles initiatiques le savent. Tout est planifié d'avance. Il n'y a que les religieux, entre guillemets, qui vivent comme ça, comme des moutons du jour au jour. Comme ça. Beaucoup ont même peur quand on parle de spiritualité. Pourtant, la même Bible dit que la peur vient de l'ennemi. Si tu as peur, on va te manger. Quand tu as la connaissance, il y a des choses qui peuvent t'arriver. Dans le livre d'Osée, à partir du chapitre 4, on dit écrit dans la Bible là-bas que mon peuple périt faute de connaissance. Quand tu as la connaissance,
il y a des choses qui ne vous qui dit qui ne t'arriveront jamais. Cherchez à connaître les choses cachées. Cherchez à vous initier. Quand vous parlez d'initiation, vous pensez que c'est pour vous mettre dans les sectes ou les choses bizarres. Non. Être initié, ce n'est pas forcément entrer dans l'occultisme. Être initié, c'est connaître les forces et manipuler les forces vives de la nature. Parce qu'en vous, il y a ce qu'on appelle votre divinité interne. Votre vous, ton toi supérieur, est un Dieu. Puisque tu as l'image de ce Dieu, tu es un demi-dieu. Donc, tout ce que tu veux, tu peux l'obtenir. Pourquoi est-ce que donc vous n'obtenez pas ce que vous voulez? Parce que vous éloignez du domaine spirituel. Or, qui contrôle l'esprit contrôle la matière. Voilà où beaucoup d'entre vous sont bloqués. 10 ans, 15 ans en Europe, rien. C'est dommage. Même pas en le pont de terre. Certains d'entre vous n'arrivent même pas à joindre les deux bouts. Tes mains vivent sur perfusion. Ah oui, vous avez dit j'aime ça, mais c'est une vérité. Un SMIC malheureux. C'est vrai qu'en Afrique, c'est un peu beaucoup. Mais dans le contexte où vous vous trouvez, ça ne vaut rien. La preuve en est, d'autres finissent au moins parfois avec 300 euros, parfois avec 250 euros, parfois avec 400 euros, et puis chance avec 500 000 euros. Ça, c'est pour les élus. Ah ben oui, le monde n'est pas ce que vous croyez. Vous avez tout pour réussir, à condition que vous le vouliez. Maîtrisez comment faire à ce que votre prière traverse le premier, le deuxième, le troisième ciel et le quatrième ciel est la clé du succès. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand il faut le faire, c'est ça la clé du succès. Si vous voulez devenir des grandes personnes, si vous voulez marquer votre temps, il faut connaître les choses cachées dans tous les domaines qui soient. Je ne vais pas être long aujourd'hui, c'était juste un bon à savoir. J'espère beaucoup que vous avez compris le message. Un artiste ivoirien disait, le bonheur que tu cherches, ça dépend de toi. Le travail que tu cherches, ça dépend de toi. Le mariage que tu cherches, ça dépend de toi. Moi, je vous dis, si tu ne donnes rien, tu n'auras rien. Le monde est fait du donner et du recevoir. C'est la loi la plus universelle du monde. La loi de la balance. Amitabha à vous, Hôtel, Shalom. C'est le roi Majupé 237. Aigle.